moment que j'étais arrivé ici, dans le Pays Basque, à Irun, j'étais comme quelqu'un qui était perdu dans la vie, qui ne savait pas où il veut aller ou ce qu'il doit faire. J'ai rencontré Amets dans un gare de train à Irun, à la station de bus, un matin. J'avais besoin de parler avec quelqu'un, mais je ne trouvais pas quelle personne que je peux parler, la langue, ce que je pourrais me débrouiller. Parce que moi, en fait, je ne suis pas trop intellectuel pour parler les langues différentes, comme anglais ou espagnol. Moi, je ne savais rien. Mais bon, je pensais que tous les gens d'ici encore parlaient simplement espagnol ou euskera. Comme j'ai rencontré un mec, il entendait français, c'est que je peux parler un peu. J'ai envie de parler avec une autre personne encore, celui qui a l'intention de m'écouter et savoir ce que je voudrais l'expliquer. Parce qu'il y a certains temps, si la tête te remplit, il faut essayer de décharger. Mais il y a certains encore qui ne comprennent pas. Ça lui perturbe. Tout dernièrement, il devient fou. Mais bon, moi, ça ne m'a jamais arrivé. Je remercie le Tout-Puissant. Je remercie vous tous encore de plus. Parce que c'est vous qui m'avez montré que j'ai de valeur. J'ai eu des gens chez vous qui peuvent m'écouter, qui vont avoir l'intention de savoir ce que j'ai envie d'expliquer. Ça, c'était très important pour moi. Je vous considère beaucoup comme vous me considérez moi aussi. Moi, avant, j'étais un être humain comme vous, mais je ne savais pas ma valeur de vie. Rien du tout. Ça, c'est beaucoup, beaucoup différent. Ça fait partie comme si tu parles la côté droite et la côté gauche. Il y a beaucoup de différences. La vie, c'est que j'avais connu avant. Actuellement, je pense que ça n'existe plus. Parce que ici, ça n'existe pas. Sauf à l'autre côté où j'étais quitté, peut-être tu veux rencontrer ça là-bas. Mais ici, non. Mais bon, moi, je n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé. Parce que tout le temps, il ne faut pas oublier où tu as cogné tes pieds, tu te rappelles où tu étais tombé. Toujours ça revient sur moi. Ce n'était pas de mon volonté de penser cela. Mais bon. L'esprit peut penser ce que tu n'as jamais imaginé de faire ou ce que tu n'as pas envie d'imaginer. Mais bon, actuellement, ça va. Moi, ce n'est pas pour marcher simplement qui se trouvait dans ma tête. Je voudrais trouver une solution pour aider ceux qui sont derrière moi. Parce que si moi, je mange, sache que moi, je pense si ma mère a mangé ou mes petites soeurs. Si tu as... Avant, moi, je ne pensais même pas pour payer une chaussure pour moi ou bien un t-shirt. Parce que mon esprit ne vient pas sur moi. C'est par à mes parents et mes petites soeurs. Dans toute ma conscience, si elles, ils sont bien, moi, je suis très bien. Tu sais, pour moi seul, pour gérer ma vie, ça ne me rend pas compliqué beaucoup, beaucoup. Parce que peut-être, moi seul, je peux vivre. Si j'ai, c'est moi qui savais. Si j'en ai rien, c'est moi qui savais. Mais mes parents, ils ont dit que toute l'Europe, c'est l'Europe. Moi, ce n'était pas pour marcher simplement, j'avais besoin de travailler. Le moment qu'ils m'ont dit que tu ne peux pas travailler si tu n'as pas de papier, ça m'a rendu beaucoup malade. Parce que je ne savais pas quoi faire. C'est que moi, je n'ai jamais cherché dans ma vie pour dire si tu n'as pas de papier. Moi, je n'ai jamais eu de papier à mettre. C'est au début, ils mettent des rendez-vous pour faire le premier interrogatoire. Oui, c'est-à-dire pour évaluer si... Si on te concède l'asile ou non, ils prennent un certain temps. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, il y a un avantage. C'est pendant qu'ils ne te donnent pas la réponse, tu es comme dans une parenthèse, disons, légale. Oui.
plus de temps y passe, au moins, tant qu'ils n'ont pas refusé, on pensait que ça allait être plus long, parce que normalement, c'était plus long. Ibrahima, il avait eu la réponse assez vite, disons, en comparant les autres. Mon intention, c'était que, comme il y avait quand même un temps, presque un an ou 10 mois, de faire quelque chose pour lui donner à la police, c'est-à-dire. Et donc, pendant longtemps, moi, la deuxième personne qui apparaît dans ce livre, c'est-à-dire le toi ou sous, je visualisais ça comme le police qui allait recevoir le dossier. Après, il y a eu un changement, c'est que d'un jour à l'autre, ils ont changé les critères sans savoir pourquoi. Et le rendez-vous qui était fixé pour octobre, je ne sais pas quand, ils l'ont fixé, ils ont eu un avertissement. Du coup, ils l'ont mis en mars, je crois. Mars ou avril, je ne Oui, avril. Avril. On ne sait pas pourquoi, ils ont tout changé. Ils ont avancé de 6 mois tout. Donc là, du coup, bon, notre travail qui était déjà commencé, moi, l'idée, puis l'histoire que je m'imaginais dans la tête, j'avais pas de temps. En plus de, je pensais que c'était peut-être donner trop d'importance à un policier qui allait peut-être même pas lire le dossier, encore moins en basque. Donc une personne comme Ibrahima, dont son histoire est très tragique, mais malheureusement notre système ne considère pas toute cette tragédie comme quelque chose pour donner l'asile. À quelqu'un qui te demande, par exemple, dans ton village, qui veut venir à l'Europe, par exemple, un enfant, une fille ou un garçon, qu'est-ce que tu lui répondrais? J'aimerais lui donner un bon conseil de rester à l'endroit où il est, chercher sa vie. Oui. Tu sais, un être humain ne va jamais se rassasier dans la vie, Ahmed. Aujourd'hui, même si tu as deux maisons, demain tu auras besoin d'une autre encore. Aujourd'hui, même si tu as deux paires de chaussures, demain tu voudrais une autre. Toujours tu auras besoin de ce que tu peux faire dans ta vie. Mais il faut limiter. Moi, je n'ai jamais imaginé ce que j'ai trouvé ici en Europe. Cette vie, ce que je connaissais avant, ça n'existe pas ici. Ici en Afrique, dans mon village, il y a certaines familles qui passent 2 jours sans préparer même une seule petite marmite pour leurs enfants. Mais ici, non, ça n'existe pas. Si tout le monde mange et tire le manger dans les poubelles, chez moi, non. Batetik, nire alegina izan da hasieratik harremanean ere aliketa berdinetik berdinera eta harreman bat eraikitzeko aliketa berdinetik berdinera oso abiapuntu desberdina izanik. Oso gauza zaila dena. Ez. Kasi ezinezkoa esango nuke, ze abiapuntuak berak kondenatzen zaitu egoera desberdinetatik heltzea mugimendu hori sortzen den ariari. Eta baina, bueno, behintzat Ibrahima autore bezala konsideratua izan zedin, konsiderazio horrek esan nahi duen guztiarekin, ez, hau ez da opari bat edo kontzesio bat edo hemen laguntza bat, ez zinez iruditzait berari dagokiola niri bezain bat gutxienez, ez baldin bada gehiago.